Bienvenue chez la Family Geek. Hey des kangourous, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi au volant. Regardez, je freine, je fais des petits coups de frein parce que on est sur Forza Horizon 3, la démo qui fout une claque, il faut bien le dire. Alors donc j'ai décidé de vous la faire en vidéo et au volant. Ouh là là, ces derniers temps, enfin la semaine dernière, je vous avais déjà proposé avec Lucas. Oh là 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 là, c'est pas ma vue préférée en plus. Hein. Je vous avais déjà proposé une vidéo derrière le volant sur un jeu de voiture. Et là, c'était l'occasion rêvée sur un jeu de rêve. Donc là, on roule à gauche parce que on est en Australie. Et oui, c'était ça les kangourous que j'ai aperçus dès le début. Alors donc là, regardez, c'est de toute beauté. On a plusieurs vues. Ma préférée, ça reste celle-ci. Là où je roule, j'arrive à appréhender tous les virages. Et oh là 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 là, ça vibre, c'est de toute beauté. Ouais, c'est comme ça, si vous me connaissez depuis... ça va faire 10 ans que je fais des vidéos gaming maintenant. Eh ben j'en ai fait des jeux de voiture et à chaque fois, je ne cesse de le dire que ma vue préférée, c'est celle-ci. Je suis désolé si vous êtes habitué... aux vues externes, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à jouer en vue externe, quoique sur ce jeu là quand même ça peut passer. J'ai pas vraiment tâté plus que ça, mais en tout cas là cette vue interne est de toute beauté. Donc là je joue en manuel, en automatique. En automatique, donc les trois pédales, il y a trois pédales du coup sur le... Bah, oh là 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 là, je regarde les pédales. Il y a... Alors, oh là là là, oh, ça glisse celle-là. Vous savez, j'y arrive pas hein, en vue externe. Donc, il y a trois pédales, l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Et en automatique, l'embrayage, c'est le frein à main, mais je vais pas le faire. Hein. Donc là, je suis désolé, je vais me mettre en vue... Oh, ça glisse. Oh là 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 là, j'aurais pas dû. Mais regardez, on peut rembobiner. On peut rembobiner, ça c'est un jeu pour moi. Ah oui, j'en fais des trucs, là, je vais rembobiner encore un peu plus. Allez. Voilà. Ça, c'est pratique. Et puis, bah, du coup, là, je vais freiner à fond. Hop, hop, là. Et le temps de reprendre ma vue et de me remettre bien sur la route. Parce que là, on est, regardez, en tout terrain. Tout à l'heure, on était en Lamborghini. Enfin, je crois que c'était une Lamborghini. Mais en tout cas, on était sur du bitume. Là, on est, regardez, on est dans les grottes. Il y a des stalactites au-dessus de nous, les gars. Il y a des stalactites. Et donc, on est bah, maintenant en bord de mer. Et je peux vous dire que ça glisse quand même pas mal. Le retour de force est quand même bon. Je ne sais pas s'il y aura des réglages, ou je n'ai même pas fait la faux réglage dans cette démo. Mais je ne sais pas s'il y aura des réglages dans la version finale. Waouh! Et là, j'en ai plein les cheveux, pour les petits cheveux qui me restent. J'en ai plein quand même la tête de l'eau. Ouais. C'est, les effets de particules sont vraiment magnifiques. Et là, on roule tranquillement, on est sur le sable. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs... Alors, Forza Horizon, c'est un jeu, un open world. Donc vous allez où vous voulez. Bon là, il y a un chemin, enfin, c'est pas un chemin prédéfini, mais il y a quand même une petite trame à faire. Mais après, dans le jeu final... Eh bien, on est sur toute l'île, là, c'est l'Australie en l'occurrence, et puis on peut aller où on veut, donc vous voyez qu'il y a aussi bien du bitume, du sable, de la forêt, et là, on va faire une course en forêt et en buggy. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, cette démo, elle fait parler d'elle, hein. Là, je vais vous mettre, de toute façon, en vue, enfin, en 60 fps, vous allez voir, le rendu sera magnifique. Notez quand même que le jeu sera beaucoup plus beau que ce que je vous diffuse sur YouTube, puisque YouTube, il y a un traitement, c'est encore moins beau. Enfin, il y a toujours des petits trucs. Quand vous l'aurez en pur chez vous, c'est génial. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous jouez au volant. Parce que franchement, ça vaut le coup. Moi, là, c'est mon vieil ami Papa Dom qui m'a fait découvrir le volant quand j'étais chez lui. C'était l'été 2015, donc ça va faire un an. Et je me suis procuré le volant, et là, c'est vraiment génial. Alors, la démo, le jeu, propose de choisir son personnage. Regardez tout ce qu'il y a. Et ça laisse présager, il y en a encore, apparemment, qui va se débloquer. Allez, on va prendre le beau gosse. Et comment qu'on va l'appeler, je vous en donne en mille. On peut choisir son surnom, on peut choisir des prénoms d'hommes ou des prénoms de femmes. Alors... Ne cherchez pas, j'ai cherché avant vous, il n'y a pas Jérém, je suis dégoûté, il n'y a pas Jérémy. Il y a tout ce que tu veux, Charlie, Chris, Cédric, Célestin, Vichy, non, je déconne, Djibril, Driss,
Il y a Edmond, il y a même Edmond, et il y a pas Jérém, regardez. Ah, il y a Fabio, j'aurais cité Flavio. Regardez, J.E., Jean, Jean-Baptiste, Jean-Christophe, Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Marie, Jean-Michel, Jesse, et ça passe à Jimmy, et il n'y a pas Jérémy, je suis dégoûté. Pourtant, dans des jeux où on peut choisir son prénom, eh bien, il l'a bien souvent dans les jeux, je catch et tout. Eh bien, c'est pas grave, on va prendre un surnom, un pseudo, j'allais dire, un surnom. Et là, il y a du choix, hein. Regardez, il y a Gros Bill, Hercule, Hibou, Genot, Kangourou, L'As du Volant, L'Artiste, La Fonceuse, La Réussite, et il y en a un que j'aime bien, et que je vais prendre, justement, j'aime le style. C'est, regardez, Messire, Messire, on va conduire la chariote. Et oui, dites-moi en commentaire si vous savez de où ça vient, je vais pas vous le dire, mais d'où ça vient, Messire. C'est un truc que j'apprécie beaucoup, hein. Hé, la lagueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Là aussi, c'est toujours le même truc, là, je vous dis. Hein. Ça me fait délirer, Messire. Eh ben, Messire est parti. Il est parti. Allez, dépêche. On peut pas passer, je suis désolé. Je peux pas passer la cinématique. Eh ben, c'est pas grave. On fait à l'arrache. Alors, ce jeu-là, j'ai voulu le streamer. Mais je me dis, c'est un jeu qui est quand même assez speed. Et les jeux de bagnole en stream... Bah, pour un jeu aussi beau, je sais pas ce que ça donnerait. C'est vrai que j'ai la fibre, donc je diffuse en très bonne qualité, mais les jeux rapides comme ça, c'est pas... Est-ce que ça vous plairait de le voir en stream? Alors d'ailleurs, petite pub, hein, je me fais l'autopub, c'est ma chaîne YouTube, et voilà, et venez follower ma chaîne Twitch, je la mets en place tranquillement, et vous pouvez vous sub, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je suis souvent en live, donc n'hésitez pas. Il faut que je vois encore si je peux live avec Lucas, c'est un mineur et je ne sais pas si on peut. Mais en tout cas, je stream souvent le soir, 21h minuit, 3h de live. Ouh là là. Alors là, ah punaise, j'allais dire. Alors, on sent le retour de force et les différences par rapport au véhicule. Là, je suis en buggy, mais c'est pas la même... sensation, les virages, on les a bien, mais c'est différent de la buggy précédente. Et ce qui est cool, c'est que, enfin, ce qui est cool, non, c'est pas cool parce que j'ai l'impression qu'elle glisse vachement dans les virages. Ça, enfin, on me connaît, je vais me prendre un mur, je vais partir en cacahuète, et là, hop là, voilà, petit changement. On est sur du bitume, ça va mieux, et ben, ça va pas durer longtemps parce que regardez où on va, oula, dans le sable. On va faire des traces dans le sable. Allez, je vais vous prendre la vue extérieure. Je vous fais plaisir. Moi, c'est galère. On se croit à Santa Monica là-bas avec la grande roue. Mais non, on est en Australie, je le rappelle. Oh là 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 là. Donc, je vais pas tenter le frein à main, les gars. Oh les. À moins que je le tente, mais en vue être interne. Oh. Non, pas comme ça, pas cette vue-là. Allez, je vais tenter un frein à main. Donc là, j'ai le pied sur la pédale d'embrayage, mais en automatique, je le rappelle, c'est le frein à main. Et l'autre, il se prend un poteau et il me l'envoie sur moi. Attendez, je vais tenter le frein à main. Là-bas, là-bas. Et je raccélère. Non, mais je me prends le mur. Bon, c'est même pas la peine que j'essaie le frein à main. Oh, elle est trop fort. L'autre, il s'est pris le drapeau et le drapeau, il a volé. Oh, c'est énorme, c'est énorme. Et on sentirait presque les pales de l'hélicoptère, le vent qui nous envoie, parce que. Franchement, vous avez vu, quand il est passé au-dessus de l'eau, j'étais quasiment à son niveau, et regarde, ça fait des vibrations, variations, enfin, voilà, ça fait des trucs sur l'eau, vous m'avez compris, on sentirait presque le souffle de l'air, quoi, c'est génial. C'est vraiment plaisant, et on l'a super bien en main, si vous avez un volant, on l'a super bien en main, c'est très plaisant de rouler, et de faire le kikou, hein, le fifou sur en jeu vidéo plutôt que de le faire en vrai. De toute façon, avec ma voiture que j'ai, je pourrais pas aller bien loin, hein. Si je pouvais avoir une Lamborghini, ce serait cool, hein. YouTube Money, donnez-moi de la YouTube Money, mais non, ce n'est pas le cas, les gars, hein, ce n'est pas le cas. Allez, voilà, et moi je roule à une main, tu vois, tranquille, tu vois, je vais presque, non, pas le téléphone à la main, non, on va pas le faire. Allez, mais en tout cas, je kiffe. Alors, je sais, en gros, je sais même pas ce qu'il faut faire. Hein. Faut essayer de l'attraper ou quoi. Ok. Oh le petit délire. Oh, punaise. Allez, c'est reparti. On reprend la route. Les mains en 10-10. Hein. Alors, dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez votre permis.
Et depuis combien de temps, tiens? Ah ouais, tiens, et ça m'intéresse, ça. Depuis combien de temps vous avez votre permis si vous l'avez? Ou alors depuis combien de temps vous essayez de le passer si vous ne l'avez pas encore passé? Et dans combien de temps vous pouvez le passer? Voilà, et ça fait trois trucs, mais au moins tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qu'il nous fait, l'autre, là, le Fast and Furious? Allez! Oh, on l'a doublé! Yeah! Première place! La première fois que j'avais fait ce jeu, je l'ai pas eu la première place. Je suis bien content. Ça, c'est cool. Yes! Alors, petite interlude, on peut acheter Forza Horizon 3, j'allais dire Motorsport, non, c'est Horizon 3, donc il y a le jeu de base, il y a Forza Horizon 3 plus Pacal Star Motorsport plus VIP Forza Horizon 3, ou alors la grosse version avec l'accès anticipé le 23 septembre, qui inclut le Forza Horizon 3, le Pass Voiture Forza Horizon 3, le Pacal Star Motorsport et le VIP Forza Horizon 3. Et on peut continuer la démo. Et là, c'est à partir de là que je ne sais pas ce qu'il faut faire là-bas. J'ai arrêté, parce que j'ai voulu quand même tâter un petit peu, voir si les réglages du volant et si le volant était compatible. Et bah oui, ça l'est, c'est plutôt cool. Et puis voilà, là on va le découvrir. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses de course dans cette démo, parce que je le rappelle, c'est une démo. Le jeu ne sort pas encore maintenant. Et franchement, je serais content de vous le faire en stream. Faut voir après la qualité que ça peut donner. Alors, on est à Rainforest. Yes. Et il faut aller où? Où est-ce qu'il faut aller? C'est Kira qui nous parle. Elle nous dit d'aller au point jaune. Définissez un itinéraire vers la zone jaune. Ah bah ok. Bon bah, calculer l'itinéraire. Pouf, voilà, ok. Bon bah, on reprend le... Allez, Momona, on reprend le volant, hein. Allez. Yeah. Oh, elle est magnifique, cette voiture. Allez, je vous la mets en vue externe. Et c'est marrant, moi, cette vue-là, j'y arrive pas. Hein. J'ai pas de plaisir à jouer en voyant la voiture. Je sais pas pourquoi. Va savoir pourquoi. Mais... Parce que regardez, franchement. Rien que la vue capot, quand même, c'est pas mal. Vous voyez que je les prends beaucoup mieux, les virages. Hein. Ouh. Attends, rembobine, Germaine. Non, on rembobine encore un peu plus, s'il te plaît. On rembobine encore un peu plus, le temps que je puisse freiner. Et on va reprendre ici. Et là, je vais commencer à freiner. Hop, hop, hop. On met le clignotant à gauche. Hein. Et... Oh là, l'autre est... Non, mais... Eh, je suis pas d'accord. Putain, comment il m'a défoncé. Vous l'avez peut-être pas ressenti, vous, de visu, mais il m'a défoncé le pare-choc, là, sur... Je vais peut-être couper la route. Allez, voilà. On va s'arrêter, on va le laisser passer. Ah bah il me fonce quand même dessus. Eh bah moi je m'en fous, je tourne à gauche. Allez, vu à ras du sol, ça, celle-là, ça te donne des sensations, mais vraiment énormes. Alors c'est marrant, c'est que Lucas, il joue au jeu de voiture, il n'a pas joué à celui-là. Mais lui par contre, sa vue préférée, c'est la vue externe. Alors c'est marrant, hein, c'est marrant. Mais bon, bah je vous pose plein de questions, mais dites-le moi aussi dans les commentaires, vous, quelle est votre vue préférée? Que ce soit la manette ou au volant. Mais au volant, mais moi c'est pareil, hein. Manette ou volant, moi c'est pareil. Hein. C'est vue interne ou rien du tout. Ça date depuis longtemps, hein. Ça date depuis longtemps. Parce que je vous le rappelle, ça fait 10 ans que je fais des vidéos gaming et j'en ai fait des jeux de voiture, dont les Forza. Je sais pas si j'ai fait les derniers par contre, mais j'en ai fait pas mal, les motorsports, tout ça. Donc, et c'était toujours, bah, de toute façon, dans toutes les vidéos, vous allez voir, c'était toujours la vue interne. Wow! Et d'ailleurs, ma toute première vidéo en 2007, c'était un Need for Speed. Voilà. Oh zut, je croyais que c'était fini. Défier Talkman. Ah, c'est mon pote Talkman, ça met des trucs. Et il faut faire quoi alors? On va où? On visite? Et je sais pas ce qu'il faut faire là, les gars. Faut aller où? Route parcourue. Monsieur Yoshi, Bubule, non, c'est pas Bubule, tu sais ce que je dis. C'est Mister Yoshi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rouler derrière Talkman, mais il est où? Il est où, Talkman? Il est où? Il est où? Bébé. Eh, attends, mais il y a... T'as une... Attends, carte du monde. Ah non, mais en fait, il est... Bah, il est là! Ah zut! Ah, ça y est, go. Attends, on va faire demi-tour. Allez,
On va essayer de la voir. Allez. Je sais pas pourquoi. Alors, en gros, j'ai pas le son à fond, mais j'entends pas ce qu'elle m'a dit. Et défier Talkman, mais c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'avais compris, mais je savais pas quoi faire pour le défier. Allez, on va le chercher, c'est pas grave. Il est où, Talkman? C'est Benjamin. Benjamin. Il est où, Benjamin? Il est là-haut. Il se cache. Et il a peur. Allez, à la recherche du Benjamin perdu. Punaise, c'est quand même chaud de regarder son GPS et de... Est-ce qu'on peut couper? Et vous croyez qu'on peut couper? Défier Talkman. Eh ouais, on peut couper. Alors, mon coco. Oula. Non, c'est pas par là. Yeah. Il est là-bas. Oh, c'est quand même chaud. Allez, il est là-bas. Il y a des montgolfières. Putain, je croyais qu'il avait fait demi-tour. Wouah, comment ça vibre. Eh, c'est... Tu sens les... Il faut lui taper dessus ou quoi? Ah non, LB. Attends, c'est où? Ah, c'était ça. Talkman. Il y a une Ferrari, hein. Allez, battez-le. Ok. Alors, je sais pas si ça prend son ghost. Tiens. De la course qu'il a déjà faite. Ça serait pas mal. Oh là 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 là! Il est... Oh, heureusement... Merci, Talkman. Il m'a poussé, il m'a remis... Sinon, j'allais droit dans les arbres. Alors, c'est ça qui est cool. C'est que dans les Forza Motorsport, comme c'est un monde ouvert, et puis, ben, en gros, ça te prend ta liste d'amis, et ben, ceux que tu rencontres, ça peut être tes amis. Ils jouent pas... Ils sont pas en train de jouer quand tu joues, mais ça met leur pseudo. Alors, c'est cool, quoi. Enfin, moi franchement, c'est... Ça apporte de la petite... Pas de l'interactivité, mais... Voilà, c'est convivial. La convivialité, voilà. Voilà, Talkman, il me suit à la trace, punaise. Casse-toi. Oh, mince. Là, bah là, je suis dans la petite maison d'après. Ah, oh, merde. Attends, je rembobine. Oh là là là, j'ai vu des pâquerettes, là. Regardez, les pâquerettes. Mais j'ai mal, voilà, ici. J'ai mal... J'ai mal engagé mon virage. Je ne savais pas qu'il était à droite. Parce que là, en plus, il me pousse, hein, saligo. Allez. J'ose pas. J'ai pas le temps de regarder. Oh, allez, on va. Oh, c'est méchant. Ouh là. Ah, je me suis fait avoir. Oh, je suis deg. Je l'ai poussé à droite et vous avez vu. Et je me suis pris le truc. Bon, bah, faut jouer à la loyale, hein. Ah, mais il me repousse! Allez, alors. Un pouce bleu si vous pensez que je vais terminer la course premier, et un commentaire si vous pensez que non! Lolololo! C'est mal barré. Oh, il est quand même loin, je crois, là. Il est loin. Je sais pas quelle touche c'est la vue arrière, mais je préfère pas essayer. Allez, ligne d'arrivée! Eh, les gars, pouce bleu! Benjamin, si tu me regardes. C'est quoi ça? C'est son avatar. Nouveau drivatar. Shtung, je t'ai pris, Talkman. Trop fort. Eh, je kiffe quand même, c'est kiffant. Je l'avais pas fait ça. Recruter? Je te recrute. Allez à la plage. Bon bah allez, préparez vos maillots de bain les gars, on y va. Moi j'ai pris mon petit maillot à la Borat. en plus, je vais vous faire une confidence les gars. Oh, attendez, oula. Wouh, on y va à la plage. Le maillot laborat, je l'ai. Je l'ai en plus. On me l'a offert pour... Ouf, c'était des amis il y a une paire d'années maintenant. Mais je l'ai toujours. Mais non, je ne le mettrai jamais. Je le mets déjà pas chez moi, alors je le mettrai pas en public sur Internet. Ouais, il faudrait vraiment que... Ouh, qu'est-ce que je fais? Mais comment elle a patiné ma voiture? Attendez. Oh là là. Je vais noyer ma voiture, là, ici. Ça me déconcentre, hein, Borat, là. Allez, on y va doucement. C'est magnifique, ici. C'est magnifique. Là, j'ai voulu aller à la droite, mais non. Oh! Il y a les dégâts de la voiture, c'est vrai. Allez, on y va à fond. Parce que là-bas, il y a... Oh! J'adore les vibrations du volant.
Donc oui, je disais, mon maillot de bain Borat, il faudrait vraiment qu'il y a un gros événement, hein, style les 200 000. Ouais, si j'y arrive. Les 200 000 abonnés, t'imagines. Ah, on peut choisir sa voiture. Alors regardez, ce n'est pas des placements produits. BMW, M4 Coupé, Nissan. Oh, elle est belle celle-là, elle est belle, j'aime bien. La Ford, elle est pas mal non plus. Et la HSV, je ne connais pas, c'est une marque japonaise, c'est quoi ça? C'est quoi comme marque HSV? Limited Edition GTS, elle peut être pas mal, hein. Elle peut être pas mal. J'hésite, hein. Punaise, j'aimerais bien. Ouf. Bon, la BM un peu moins, la Nissan, elle commence à être pas mal. La Ford, oui, mais non. Et la HSV, bon, allez, je prends la HSV, je la connais pas. Et ça peut être pas mal. Waouh, ça va être transformé ou quoi là? Ça va se transformer. Elle est pas mal, hein, les gars. Ah, allez, on va monter dedans. Ah ouais, ça fait la vue, là. Eh, pas mal. GTS Horizon. Modifier la plaque. Alors, est-ce qu'on peut mettre J-E-R-E-M? Ouais, bah ouais. Ah non, c'est de l'autre côté. Hop. Voilà, c'est derrière. Oh, désolé, je profite. Il n'y a pas mon nom dans les trucs. Je me le fais. Hein. Jérém. Alors, est-ce qu'il y a des accents ou des conneries comme ça? Oh, bah. Jérém 59. Eh. Ah, zut, c'est ouf. Ah. Oh, il y a des trucs. Oh, excellent. Ça, ah, bien. Ah, il n'y a que cette plaque-là. Il n'y a pas les trucs des... Bon, bah. Allez, on va prendre celui-là. Eh, hey, chouette, Jérém, ça... Hey. En force, 5-9 en force. Ok, hey. Il y a un fantôme chez moi. Mon volant, il bouge tout seul. What the fuck? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais t'as droit. Trop fort. Allez, c'est parti, Simone. Attends, je vais quand même me remettre sur la route. Ok, on n'est pas arrivé les amis, on n'est pas arrivé. Allez. Oh, en fait l'arrière elle est moche. Oh là, oh oui. Et regardez cette plaque. Elle est pas mal. Allez, on va se la mouiller un petit peu. Comment? Et ça glisse. Ça glisse beaucoup. Je veux pas faire le tétier. Hein. C'est vrai qu'on roule à gauche en Australie. Alors, il y a bien entendu des pseudos que je connais pas non plus. Hein. Là, oh, c'est beau. Comment c'est magnifique, les paysages. J'aime bien. On roule doucement, là. Je vous fais visiter, hein, les amis. Oh, excellent, la vue. On peut pas bouger sa tête, non. Non, on peut pas bouger sa tête. Regardez comment c'est magnifique. Allez, on accélère un petit coup. Et on est sur le bitume. Yes. Il fait beau, hein. Ça va. Hein. C'est vraiment un plaisir de... Mais le champ, enfin les graphismes, c'est... On a 4 km. Je sais pas où il est... Oh, je sais pas où il est mon klaxon. Est-ce que j'ai un klaxon? Non, ah zut, c'est rebobinage. Ah! Attendez. Je vais regarder juste un petit truc. Alors. Frein à main, rebobiner, charger de caméra. Je pas de klaxon. Bon, je n'ai pas l'air d'avoir de klaxon. Hein, si j'ai peut-être raté, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je n'ai pas de klaxon. Je suis déçu. Alors là, j'ai pris cette destination-là parce que ça semblait avoir plusieurs types de revêtements. Et pour voir un petit peu les paysages, pour qu'on se quitte, bons amis, et dans de bonnes conditions. Hein, pour pas, voilà, on va pas se le cacher.
Je roule pas très bien, mais voilà, je vous fais un petit peu le guide touristique. Route parcourue 18 sur 400. Ah! Bon, alors là, on va passer par Voilà, voilà, ça c'est fait exprès. Je voulais vous montrer justement ce qu'on pouvait faire. Et qu'on n'était pas limité dans Forza. Il y avait pas. Ça me rappelle dans le temps. Je parle comme si j'étais vieux, je suis dégueu. Ça me rappelle dans le temps, oui. Il y a une bonne vingtaine d'années. Je me souviens, j'adorais les jeux Colin McRae Rally. Et je l'avais sur PlayStation 1. Pardon, excusez-moi. Je l'avais sur PlayStation 1. Et le truc, c'est, j'adorais jouer avec mon petit frère en écran splitté. Et Colin McRae Rally, c'était un jeu, en fait, t'avais, voilà, c'est un jeu de rallye, c'est des courses, c'est pas un open world. À l'époque, ça n'existait pas, c'était même pas techniquement impossible de le faire. Mais donc, t'avais des parcours, hein, de point A à un point B. Et c'était un des seuls jeux où t'avais quand même une petite marge de manœuvre. C'est-à-dire que tu pouvais quitter un petit peu la route, tu vois, tu pouvais aller là, et puis pouf, là tu te prenais un mur invisible, par exemple. Mais nous, ça nous éclatait. Et avec mon frère, on s'était amusé à faire des conneries, et je freine, qu'est-ce qui se passe? Je freine et il avance. Et donc, on s'amusait à faire des courses juste à deux, et puis donc, il y en a un qui partait, il allait, c'est con ce que je vais dire, mais il allait essayer de se cacher quelque part. Dans le niveau, par exemple, c'est comme si moi là je vais là et hop, je me cache derrière l'arbre. Alors, l'arbre c'était pas comme ça, hein, c'était juste un sprint, comme on dit, un sprint, juste une image. Voilà. Et l'autre, il devait. On était content parce qu'on avait un petit champ de cachette. C'était... Maintenant, je vous dis ça, vous rigolez, c'était ridicule, hein, même moi j'en rigole. Mais c'était. Et là, je me suis planté, voilà. Allez, attends, je marche arrière. Et donc c'était rigolo. Et Colin McRae Rally, c'était peut-être un des seuls jeux qui proposait quand même un petit champ de qu'on pouvait se planter, hein, je dis bien pas planquer, mais qu'on pouvait se planter, de faire des petites sorties de route. Parce qu'en général, les jeux de l'époque, il y avait Toka aussi, Toka Race Driver, c'était on pouvait aussi se planquer un petit peu. Mais ça nous faisait délirer. Et parce que dans le temps, c'était soit des murs invisibles, hein, t'allais là. T'allais sur le bas-côté, pouf, tu te prends un mur invisible, c'était quand même chiant. Mais voilà, c'était... Et à l'époque, je me souviens, j'avais un volant aussi. J'avais acheté un... Oh ouais, c'était avec des... Mes cadeaux, aïe, ça pique. Oh, papa d'homme, trop fort. Attends, on va le suivre. Allez, fais marche arrière. Mais j'avais acheté une sorte de siège baquet. C'était à Cora. Oh là là, c'était vieux. Un siège baquet, tout en plastique, là c'était pas les sièges baquets, c'était pas un truc comme on a maintenant. Hein. Il est parti où? Il est parti à gauche. Et avec un volant, et c'était vraiment pas mal. Allez, on va rejoindre Papa Dom. L'objectif c'est d'aller chercher Papa Dom. Il a pris à droite. Il a pris par où? Il a pris le petit chemin. Hein. Oh, où est-ce qu'il va faire dans les chemins là? Il suit une autre voiture. Je crois que c'était lui. Hein. On va voir. On se quittera sur Papa Dom. Dédicace. Oh punaise, il est là-bas. Il aime bien faire du tout terrain, hein, le saligo. Allez. Oh là là là. Et c'est quand même. C'est une épreuve à dérouler. Ouh. Allez. Allez, il est là-bas. Il est là-bas. Il est content, il est là-bas. Allez. Eh, il a la même voiture que moi. Ah tiens. Et il prend la fuite, il prend la fuite. Attends, et... ça y go. Tu vas t'arrêter. Regardez. Allez. Trop fort. Bon, allez, les amis, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette petite... Ah, bah, je l'ai fait retourner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, moi je vous dis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Google+, sans oublier bien entendu la chaîne YouTube. Venez sur le site, il y a Papa Dom avec, sur le forum, on partage, si vous faites des vidéos, vous pouvez poster vos vidéos aussi. Et puis voilà, bon bah les amis, gros bisous et à bientôt, ciao, allez Papa Dom, casse-toi.